Donc, salut tout le monde, et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 3 de notre série sur XCOM, Enemy Unknown. Avant de commencer, je vais vous montrer un petit quelque chose. Comme vous le savez, sur ce jeu, on peut nommer les soldats. Donc je vous présente le sergent Virio, hein, un petit clin d'œil à mon ami Virio, que je salue d'ailleurs. Tous les gens qui seront dans cette série, je leur ai demandé, ils m'ont accepté. Si vous voulez avoir votre nom, vous le dites dans les commentaires et vous l'aurez. Donc ça c'était Virio, là nous avons Delta Air 6208. Je le salue aussi. Bon, quand il verra la vidéo, il sera pas là. Alors, je vous présente aussi un youtubeur que j'apprécie vraiment, bah, plutôt un duo. Je vous présente le premier qui s'appelle Sukhoi. Je vous mettrai les liens des descriptions des chaînes. Je vous mettrai le lien des descriptions dans les. Ok, bon, bref, vous avez compris, je vous mettrai les liens dans la description de toutes les chaînes YouTube. Donc là, nous avons Sukhoi, nous avons, je sais pas trop qui, et là, nous avons Life. Donc je les salue tous les deux. J'espère que vous allez taffer, les mecs, hein, parce que pour attaquer des aliens, j'espère que vous avez intérêt à taffer. Donc on s'était arrêté sur une série d'enlèvements qu'il y avait eu, j'avais décidé d'aller à Saint-Pétersbourg en Russie. Donc, on va aller dire coucou aux Russes. Donc, nous allons prendre notre ami. Je ne peux. Non, je te retire. Alors. Ok, non. Tac. Ah, donc, là, c'est le Capitaine 6208. Donc, c'est Delta. Hein. Hop, on va prendre Virio. Ok, bah. Alors, vous savez ici que c'est Virio. Sukhoi. Ok, je comprends. Alors attendez, on va tout de suite changer ça. Changer, ça veut rien dire. Change, chacha. Chacha. Nom de famille. Delter. Donc voilà, Delter. Ça fait drôle. On va aller voir Virio. Nom de famille. Virio, non. Voilà, confirmé. Tac, 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 tac. Alors, Sukhoi. Hop. Alors, son nom est compliqué à écrire. D'ailleurs, je sais pas pourquoi. T'as pris un nom comme ça, mais c'est pas grave. On t'en veut pas. Pourquoi j'ai fait une capture d'écran? On m'explique. Allez, c'est pas grave. Life, life. Voilà. Hop. Donc, c'est parti. On peut retourner à la bataille. Direction du poutrage d'Alien. On confirme. Ah oui, il faut que je capture un extraterrestre. On se refait niquer les oreilles. J'oublie toujours ces maudits moteurs. Hein. Donc là, on part direction la Russie, Saint-Pétersbourg. Le vaisseau est arrivé. Alors, il était pas content, je crois. Cette fois, c'est en Russie qu'on nous envoie. On a intercepté une transmission locale signalant la présence d'extraterrestres. Alors, à centrale, on te remercie, mais on sait faire le taf. Alors, on atterrit sur un bâtiment en construction. C'est pas mal. C'est pas mal, j'ai envie de dire. Ici Rapace, répondez que j'ai. Donc, alors, Delta, toi, t'es mon. Bien reçu, Rapace. Des pigeons! Antoine a la permission d'attaquer. Donc, alors, Delta, tu vas te mettre ici. Là, c'est au tour de Sukhoi. Ok, bon, je leur ai montré des noms de famille parce qu'en fait je pensais qu'il allait pas avoir leur nom. Bon, bref. Sukhoi, tu vas nous vérifier par là. Bref. Ah, voilà. Ah bah, Sukhoi, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Putain, en plus, ils ont une. Allez, j'avais pas remarqué, mais ils ont un ventre. Les mecs, ils ont un petit corps, mais avec un ventre de tu sais pas quoi, hein. Waouh. J'ai pas de sniper? Bon. Yes, alors il faudra que j'achète, il faudra que je gagne quelqu'un qui soit un snipe, qui soit un gars. Alors à moins que quelqu'un se dévoue à être une fille. Parce que j'ai besoin d'un snipe. Donc toi, Virio, tu vas aller là-bas. Je sais pas du tout, ok, ouais. Et Life, tu vas aller. Tu vas te mettre en arrière un peu, tu vas faire mini sniper sans avoir un snipe. Voilà. Ok, en fait, on se bat sur un bâtiment en construction. Ah, Sukhoi. Sukhoi, ne sais pas tirer, bon, au moins t'es sûr de ce que tu vas faire. Hein. Raté.
Alors, tu sais pas tirer, mais tu sais te faire toucher. Bon, ce quoi, il va falloir retravailler, hein, parce que. Non, mais oh là, c'est pas bien, hein. Skoy, Skoy, Skoy. Alors, non. Bah, alors, Virio. Ah, bah voilà, Virio, il fait le café. Ah, bah voilà. Ah, ça commence mal, Sokoï s'est mangé une balle. Ou plutôt un pistolet laser. J'avoue que dit comme ça fait assez drôle. Bon, live, tu tapes un petit sprint. T'as remarqué quelqu'un? Si j'avais un snipe, j'aurais pu le défoncer. Là, je ne peux pas. Oh purée. Oh, j'ai foutu live dans le pétrin. Oh purée. Ah, purée, il me faut. Ah, bon, alors finalement, quelqu'un va se dévouer à être un sniper. Alors, écoutez, je pense que ça va être. Delter. Hein. Voilà. Delter, tu deviendras une fille. Excuse-moi, mais j'ai besoin d'un snipe. Ça commence à être impératif parce que là, vous voyez, j'ai foutu Leif dans le pétrin. C'était pas voulu. Virio a déjà tiré. Allez, prends le contrôle de ton ami, j'y dirai rien. Ah bah voilà Soukoï, tu te rattrapes, c'est bien, bah voilà. Ah bah en plus, oh, t'as fait une pierre deux coups là Soukoï, franchement, je suis fier de toi. Hein. Déjà que dans tes séries, c'est pour Ghost Leader que je fais ça. Hein. Si Ghost Leader, tu vois cette vidéo, c'est la vengeance de Soukoï. Hein. Je pense que Soukoï, il a repéré qu'il faisait que des bêtises avec toi. Donc, il se venge, il s'excuse. Il s'excuse à partir de ma série, Ghost Leader. Ah, le gars il part dans un trip. Je vais mettre les liens dans la vidéo. Je vais mettre les liens dans la description. Parce que c'est comme une mini référence que Sukhoi va. Life et Sukhoi vont comprendre très facilement. Si Ghost Leader aussi voit la vidéo, il va la comprendre tout à fait. Mais en tout cas, Sukhoi, t'as fait un beau travail. Je suis fier de toi. T'as fait ton taf. On va te mettre par là. Je crois qu'il y a encore un ennemi hein, ici d'ailleurs. Je suis pas sûr, fait qu'on va te mettre en vigilance. T'as plus beaucoup de missions, faudra penser à te faire recharger. Virio, on va essayer de voir si t'as un petit contact. Non, pas du tout, fait qu'on te met en vigilance. Je pourrais essayer le smoke l'ennemi. T'as un visuel sur lui, sur Riffy. Ok, tu peux y aller. Bah, Life, par contre, t'es un petit feu, t'es un petit peu fatigué, je trouve. Va falloir requinquer tout ça, hein, moi je dis. Tu vas aller 3 jours de suite à la musculation sans manger et sans boire. Tu vas mourir, mais c'est pas grave. Deiter, franchement, tu me sers pas à grand chose. Fait que je vais essayer de te mettre ailleurs parce que un shotgun dans des long range, ça fait pas du tout. Comme je le dis si bien, on n'est pas du tout dans CSGO. Fait que tu restes au pistolet, tu vas faire une vigilance. Alors, Sukhoi, je pense qu'il y a vraiment un ennemi par là. Fait que je vais essayer de pas te tuer. Tape-toi un sprint. T'es dans le champ de vision, bien évidemment. Allez, Sukhoi, tu vas mourir. Hein. Oh, oh, fuck. Bon, alors, Sukhoi a taffé 10 minutes. Il a vraiment. Non, il a taffé 8 minutes, Sukhoi. Sukhoi, je suis désolé, t'as taffé 8 minutes. Ah, mon dieu. En plus, j'ai dit, tu vas mourir, mais il est vraiment mort. Oh mon dieu, un alien s'est pété, franchement. J'ai hâte d'avoir les pistolets laser et les fusils laser, c'est tellement mieux. Et les viseurs holographiques aussi. Alors, ça va être génial pour les mitrailleuses. Alors, écoutez, bah, du coup, Sukhoi, tu vas reprendre la place de quelqu'un. Tu vas reprendre la place d'un soldat déjà. Le mec, il a taffé une mission, quoi. Il a taffé 10 minutes, il a tué un alien et il s'est fait buter après. Oh. C'est. C'est. Lancer une grenade par ici. Veuillez dire à vos hommes d'être prudents avec ces explosifs. Je sais que c'est une technique efficace pour éliminer les extraterrestres.
Est-ce qu'on dit Gigi? Est-ce qu'on dit Gigi? Je savais pas qu'il était là, ça fait un brouillard de guerre. Est-ce qu'on dit Gigi? Je vais tenter de faire un montage là-dessus, je vais tenter de faire un MLG Pro. Ça va pas réussir, mais c'est pas grave. Bon. Sukhoi qui a péri 30 secondes après son départ, quoi. Franchement. Je le nomme, je fais une mission, il meurt. En fait, c'est pour me venger, hein. C'est pour me venger que ce que tu fais à Ghost Leader, hein, finalement. En plus, je suis sûr et certain qu'il va te détester. En plus, c'était en anglais. Bon, ça va bien. Dalter, de toute manière, tu me sers à rien. Fait que bon. Voilà. Ouais, on s'en doutait pas mal. Sukhoi qui a fait une mission, il a tué deux personnes. Sukhoi, t'as fait fort, j'ai fait fort là-dessus. Bon, faut que je te nomme. Alors. Alors, du coup, tu vas prendre le nom de Patrick Thomas. Voilà, Life, Sukhoi, pardon, je te renomme. Voilà. Tu es de retour parmi nous, tu es revenu d'entre les morts. On va faire en sorte que tu ne crèves pas une seconde fois. Hein. Poil au visage. Allez, Sukhoi, je ne sais pas du tout à quoi tu ressembles dans la vraie vie, mais alors. Dans XCOM, t'as une bonne grosse barbe de bûcheron canadien. Voilà, je te le dis. T'es un bûcheron canadien en fait. C'est, je vais te nommer comme ça, bûcheron canadien. Bon, bah du coup, est-ce que j'ai un autre snipe? Toi, est-ce que t'as un snipe? Non. Non, soldat, 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 soldat. Caporal, sniper, grenadier. Ok, en fait, les soldats, ils ont pas de... Ok, ils ont pas de spécialité. Bon, bah écoute, Delter, Delter, pourquoi j'ai dit Delter? Delter, tu deviens une fille, je suis désolé. Pour la peine, on va te mettre un E à la fin de ton pseudo. Je suis désolé. Je peux pas changer le sexe, sinon je l'aurais changé. Mais j'ai besoin d'un snipe, donc, voilà. Ah, il est où l'autre Delter? Ah, je crois qu'il est blessé. Fait que bah, la prochaine mission, tu seras en vie. Donc, on lance une nouvelle recherche parce que nous avons 4 scientifiques de plus. C'est pourquoi j'ai choisi. Tu me dis pas. Oula, ok. Ah, fragment de métal. Ah, elle veut vraiment son extraterrestre. Hein. Je sais bien que nos troupes cherchent à se protéger, mais à chaque fois que nous utilisons des explosifs contre les extraterrestres, nous gâchons une occasion de récupérer. Eh, à la base, c'était pour lui faire peur, ok? Je savais pas qu'il était là. Tu me saoules parfois, mais tu me saoules. Oh, je suis fatigué. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Allez hop. Allez hop, c'est parti. Bon, alors on peut pleurer la mort de Delter. De Delter, de Sukhoi. T'as fait une mission. Oh yes, je peux faire les scopes. Yes. Ah. Hop, tout de suite, allumette. Allez, hop. Nous appelons ce spécimen de grande taille l'allumette. D'après nos premiers examens, les extraterrestres auraient considérablement modifié sa structure génétique afin de lui donner une apparence humaine. Cependant, on remarque assez rapidement qu'il semble avoir eu du mal à altérer ses yeux, qui ont toujours un aspect reptilien. Reptilien. Merci beaucoup pour cette information. Réception d'une transmission. Oula. Nous sommes vraiment impressionnés par les progrès du projet. Alors là, ce n'est pas une chose qui arrive souvent. On est dans le pétrin. Officiellement, on est dans le pétrin. Alors, je suis beau avoir eu un premier mois. Mais là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. 5 pays déjà qui seraient prêts à partir, dont 2 qui sont critiques. Si j'ai 8 pays, si je crois que c'est 8, hein, dans le facile, je crois que c'est 8 pays qui s'en vont. XCOM est annulé, j'ai perdu la partie. Là, il faut que je fasse attention. On va aller à l'ingénierie, on va aller faire des scopes. Vous allez voir, les scopes, c'est super important. On va en faire 10 parce que j'ai de l'argent. Voilà. Et on va tout de suite.
extraterrestres voulaient vraiment conquérir la Terre, nous ne pourrions pas faire grand-chose pour les arrêter. Ils doivent avoir autre chose derrière la tête. Malheureusement, effectivement, personnalisé. Non, c'est pas ça que je voulais, c'était ton équipement. Allez hop, alors, nous allons troquer les grenades pour des scopes. Parce que ça confère un bonus de 10. Alors, bah, t'es là toi. Mais qu'est-ce que tu fais? Ah, je peux te renvoyer. Non, on va pas l'envoyer, j'en ai besoin. Personnalisé, prénom. Charles, voilà, on va l'appeler Charles. Parce que j'ai rien d'autre à trouver. Charles Bertrand. Non. Charles Dumoulin. Voilà. Le nom pourri, mais c'est pas grave. Allez hop, Charles Dumoulin. Tu ne reçois pas de scope. Alors, voilà. Alors toi, par contre, t'as vraiment intérêt à en avoir un. Voilà. Toi, tu vas avoir l'honneur d'avoir le électroflux. Félicitations. Life, tu reçois le scope. Sukhoi, alors Sukhoi, on va te donner ça parce que t'en as vraiment besoin. Voilà. Voilà, c'est parfait. Allez hop, c'est parti. On peut retourner surveiller l'activité des ennemis. Voilà, on a terminé cette recherche. Hop, alors pour l'instant, on n'a pas trouvé d'ennemis. Hein. Ça va souvent arriver dans les épisodes. Hop, on va commencer ce projet. Les efforts que vous faites pour soutenir l'unité de recherche, commandant. Les nouvelles recrues sont déjà au travail. Bah, très franchement, la recherche est toujours ce qui est important pour gagner une guerre. Faut toujours être sur l'avance sur ses ennemis. Bon, être en avance sur un extraterrestre, c'est compliqué, je vous l'accorde. Mais on est capable. Bah, allez, on les envoie. On aide tout le monde. Commandant, on a un autre contact. La signature est un peu plus grosse cette fois. Non ! Je suis obligé d'ignorer, sérieux. Est-ce que je peux pas ? Est-ce que je vais transférer vos intercepteurs à d'autres bases, mais seulement si elles se trouvent dans un pays couvert par nos satellites. En répartissant notre flotte sur plusieurs continents. Flûte. Nos chasseurs n'ont pas été envoyés à la poursuite du dernier ovni repéré. J'espère qu'il ne fera pas trop de dégâts. Attends, c'est sérieux? On nous signale plusieurs tentatives d'enlèvement. Leur emplacement est indiqué sur l'hologlobe. Alors, le Kenya, la panique est à 2, Canada à 1, Russie à... J'ai besoin d'ingénieurs. J'ai vraiment besoin d'ingénieurs, fait qu'on va pas aider le Canada ni la Russie. La Russie, on y retourne, les mecs, franchement, on y retourne de la Russie. Come on, guys. Alors, Leif, oui. Hop. J'ai toute mon équipe. Il me nique ses oreilles, c'est pas possible. Il me nique les oreilles. Bon, j'aurais pu aller à Ottawa, hein. Mais la première mission du jeu, c'était à Ottawa. Bah, c'était à Edmonton au Canada. Fait que j'ai déjà fait le Canada, j'ai fait la France, j'ai fait la Russie. On s'en va au Kenya. Parce que. Pourquoi j'ai pas pris? Parce que j'ai besoin. Écoutez, vous allez être déposé en plein cœur du Nigeria pour la mission suivante. On a intercepté une transmission locale signalant la. Ok, merci. Donc en fait, parce que j'ai besoin d'ingénieurs pour construire de nouveaux infrastructures. J'en ai besoin. Concrètement, j'en ai besoin. Oh, j'ai oublié de changer. Bon, Delter, tu restes en arrière. Et éliminer toute cible extraterrestre. Non, vigilance. J'ai oublié de changer. Alors, Virio, on va te mettre là. Tu vas nous faire une petite surveillance. Pas un tir, parce qu'il n'y a personne. Une surveillance. Life, tu vas aller ici. Ah non, en fait, c'est... ok, c'est Sukhoi. Alors, Sukhoi, tu n'es pas dans cette mission. Je préfère dire que c'est bien. Parce qu'au moins, tu seras pas mort. Au moins, tu seras pas mort à celle-ci. Ah oui, c'est vrai qu'un snipe, ça peut pas faire vigilant. Alors, franchement, je sais pas par où il faut que j'aille. Je sais pas du tout où sont les ennemis, très franchement. Ils sont là. Oh purée. C'est vrai que je les aime pas.
mécaniques qui ont été rajoutées. C'est vrai que eux, je ne Ce qui les est aime pas. sûr, c'est qu'il ne remportera pas de concours de beauté. Oh, il fait une blague. Eh, pour ta première mission. Bon, l'avantage avec eux, c'est qu'ils sont faciles à tuer. Ferio vient de nous le prouver. Life vient de nous le prouver. Ah bah voilà, Life, t'as gagné une promotion. Je te félicite. Je déteste ce bruit. Est-ce que la personne qui a électrophié, est pas là? Ah yes, faut vraiment que je fasse une organisation. Faut vraiment que je fasse une organisation. On va mettre le snipe en haut. Viru, il va aller là. Toi, tu vas aller là. Petite cinématique au KLM des familles. Ok. Voudrais mieux que je le mette là en fait. C'est vrai qu'avec un shotgun, tu vas faire grand chose. Franchement, ils sont laids, hein. On dirait pas, mais ils sont vachement laids. Mais attends, comment ça le fusil de précision n'a pas de... Oh purée, les shotguns, ça sert vraiment à rien. C'est ça qui est frustrant, c'est ça, ça sert vraiment à rien. Parce que c'est du close combat en fait, c'est ça qui saoule, c'est du close combat fait que ils savent quand pas tirer. Nice, ça lui fait bobo. Oh, je déteste. Un truc que je déteste, les snipes ne peuvent pas tirer. Ça me frustre quand ça fait ça. Ah oui, c'est vrai que lui il peut se téléporter. Oula. Ils ont parlé tous en même temps. Non, toi tu vas avoir. Ok. On va Sukhoi, non, Life s'en est chargé, voilà. Delter fait son premier kill. Voilà. Oh boy. Il nous regarde genre. What the fuck? Ça c'est drôle. Mais je sais qu'il y a quelque chose. Bon, Charles, du coup, t'es fucking useful, mais bon, c'est pas grave. Oh, putain, bitch. C'est comme ça qu'il me regarde, genre. Mais qui es-tu? Bon, allez, Delter, est-ce que t'es un BG? Et c'est un BG, Delter est un BG, il fait des wallbangs, c'est génial. Non, tu demandes avant, il y a du poison. Il est vachement drôle, et il est comique. Ok, ouais, il y a le son. Donc, franchement, la mission n'est pas si compliquée pour l'instant. Elle peut devenir beaucoup plus compliquée si j'étais dans un niveau plus difficile. Mais comme vous le savez, je suis pourri. Fait que. Bon, bah voilà. Et il faut que je recharge aussi.
Bon, là, peut-être que ton shotgun va te servir à quelque chose. Non, il sert toujours à rien en fait. Donc, on va recharger tout le monde. Hormis le snipe qui va les protéger, elle rechargera après. Oh, il s'est replié vachement loin. C'est pas ce que je voulais que tu fasses. Tu peux. Le mec est en plein découvert quoi. Donc on va le pourchasser. Je pense qu'il va nous emmener dans une trap. Dans un trap. Mais bon, c'est pas grave. Toi tu vas recharger. Ah, il est loin. Ah bah d'après toi. Bon bah vous voyez, j'ai quelque chose qu'on appelle snipe. Yes, il l'a eu. Oh, c'est ça que c'est bon avec un snipe, c'est que ça tue. Tellement parfait un snipe. Bah voilà, Virio, Virio, t'es. Bah regarde, regarde, on est sur toi, on est en gros plan sur toi, Virio. Bravo Virio, t'es un champion. Franchement. Franchement, Virio, tu viens de faire le café aujourd'hui et après cette mission aussi. T'as fait le café tout simplement. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi le Kenya c'est un pays en fait. Bon, vous allez me dire, t'es nul et tout. Mais je comprends pas. Excusez, si vous voulez m'expliquer, vous pouvez. Virio, t'es rendu au grade de major. Alors là, franchement. Ah bah voilà, Life c'est un snipe. Life est devenu un snipe. Ah bah du coup, j'ai deux snipes. Et bah du coup, finalement, il va falloir que je refasse tout. Tout, hein. Ça va être génial. Ouais, mais bon. Là du coup oh c'est critique, oh c'est critique, oh la va, oh flûte, paye, demande une présence policière forcée suite à l'apparition. Ah, dans le centre-ville, lol. Oh, c'est critique. Ah, c'est critique, c'est critique, c'est critique, c'est critique. Laboratoire opérationnel. Les nouveaux ingénieurs sont arrivés ce matin, commandant. Nous sommes toujours ravis de recevoir de l'aide. Ah, oh, c'est vraiment critique. Oh. Cette masse difforme de chair et de métal, mue par la technologie extraterrestre, peut-on toujours dire qu'elle est vivante? Le projet doit continuer, mais je ne peux pas m'empêcher de m'inquiéter à l'idée d'imiter les extraterrestres. Et s'ils étaient comme nous autrefois? Mais non, t'inquiète. Il faut que je fasse ça, moi. Ingénierie, j'ai besoin de vous. Valider la commande. Allez hop, on va équiper nous soldats. Quelqu'un m'a ajouté dans sa liste d'amis.
Alors Virio, tu es officiellement le premier soldat à avoir une nouvelle armure du genre. Je te félicite. Flûte. Bon bah Virio, finalement, t'as pas une nouvelle armure. Ah, yes. Canon Phoenix, fonderie. Des armes à rayons, il me faut ça, il me faut ça. Allez, on va faire notre dernier tour. Bah, il se passe rien, mais mes recherches sont en train de se faire. Allez hop, allez hop, allez hop, let's go. L'ingénierie, j'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous pour me faire des. Pourquoi je peux pas? 12 ingénieurs! Il me faudrait une mission pour faire des ingénieurs. Oui, il m'en faudra. Oui. Il me faut un satellite, s'il te plaît. J'ai besoin d'un petit satellite. Oh, flûte! Bon, dans 3 jours. Ah, voilà! Commandant, on reçoit plusieurs appels de détresse. Des enlèvements se produisent actuellement aux emplacements marqués sur l'hologlobe. Alors. Oh. Faudrait que j'aille en France, mais Port Elizabeth pourrait très facilement nous quitter. Vais prendre le risque. On va aller en France. Mais ce sera pour le prochain épisode. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous voyez, on est bien dans le pétrin quand même, hein. On est vraiment dans le pétrin. Je pense qu'il va y avoir plein de pays qui vont nous quitter. Si on regarde, qui serait susceptible de nous quitter? L'Allemagne, le Japon, l'Australie, ce seraient les trois principaux pays. Fait qu'on pourrait essayer de sauver la Russie, la Chine, le Canada, le Brésil, l'Amérique du Sud. Parce que là, si je compte, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, si les trois partent en même temps, je suis mort. La partie est finie, je devrais en recommencer. Et j'ai pas du tout envie que ça se produise. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On va se retrouver pour le prochain épisode. Portez-vous bien. Si vous avez aimé, likez. Si vous n'avez pas aimé, dites pourquoi. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Si vous n'avez pas envie de vous abonner, c'est la vie. En tout cas, on se retrouve pour le prochain épisode. Allez, ciao tout le monde!